Bonsoir, Scamto, ça fait longtemps. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, ça fait très longtemps. Bonsoir, François Scamto, comment tu vas? Bonjour, bonjour, Piton de Luxe, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà, on va affronter notre pays, je vous jure. Je suis à l'hôpital tranquille. Regardez ce qui me masse le pied. Regardez ce qui me masse le pied. Chez nous, on va dire qu'on va chercher un bambou. Vraiment, Pomba. Apparemment, à Tanga, on dit en Côte d'Ivoire. Ceux qui pensent que ce n'est pas les urnes qu'on va chasser les gens là. Bonjour. Ceux qui pensent que ce n'est pas les urnes qu'on va chasser les gens là, bonjour. Ceux qui sont dans les groupes WhatsApp ou dans les live Facebook en train de discuter que oh, le président Kamto va être candidat ou pas candidat, bonjour. En tout cas, ce n'est pas ça l'objectif. Savoir qui va être candidat ou pas. L'objectif, c'est de faire partie pour le bien. Et par tous les moyens. Sûrement pas par les urnes. Si vous n'avez pas écouté ce qu'Atangan qui a dit, vous avez encore beaucoup de marches à faire. Énormément. Que ce soit le président Kamto ou Jean-Baptiste ou n'importe qui, ce n'est pas là le problème. Le problème aujourd'hui, c'est comment on fait pour dégager les gens là. Comment on fait pour faire partie de ce régime? C'est ça le problème. C'est ça la question que nous devons nous poser. Comment on fait? Ce n'est pas qui va être candidat ou pas. Tu peux beau être candidat et ne jamais gagner les élections. Le président Kamto peut être candidat et comme en 2018, il ne gagne pas. Et même il gagne, on arrache. On fait comment?